Du tableau électrique. L'installation électrique est composée de trois parties, le panneau de contrôle, compteur et ou disjoncteur d'abonnés, de branchement, le coffret de répartition, le tableau électrique en lui-même, et le coffret de communication. Le panneau de contrôle. Il comprend le compteur électrique du fournisseur d'électricité et le disjoncteur d'abonnés ou de branchement. Le disjoncteur d'abonnés est la limite de propriété entre Enedis et le logement, c'est pourquoi il est placé en tête d'installation. Il est réglé sur la puissance définie dans le contrat, ainsi il coupe le courant en cas de consommation supérieure à celle souscrite dans l'abonnement. Le disjoncteur d'abonnés est l'appareil général de coupure et de protection, AGCP, du logement, il permet donc de couper l'intégralité de l'installation électrique. En plus de sa fonction de coupure générale, il protège les personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant les défauts d'isolement. Le disjoncteur d'abonnés doit être installé par un professionnel et doit être plombé par le fournisseur d'électricité après réglage du calibre limitant la puissance au contrat souscrit 15, 30, 45 ou 60 ampères. Le disjoncteur différentiel. Généralement, il est réservé à des circuits spécialisés très sensibles. Il assure alors la protection des personnes et du matériel en combinant les protections d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur divisionnaire. Les nouvelles règles concernant les interrupteurs et les disjoncteurs différentiels 30 mA. La norme NFC 15 à 100 a fixé de nouvelles règles destinées à assurer une protection optimale des personnes. Elle détermine le nombre et le type d'interrupteur ou de disjoncteur différentiel que vous devez placer en